Salut tout le monde, c'est Tomnix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série. Combien ? Parce qu'on s'est un peu fait totalement exploser lorsqu'on a voulu commencer le deuxième épisode. Le temps que Golgoth nous rejoigne, on a pris une vague de Piggins. On sait même pas d'où ils viennent en fait. Voilà, donc on a un peu perdu beaucoup de choses. Bon, j'ai toujours ma pioche, c'est ça l'essentiel. Vous voyez aussi qu'on s'est mis un effet de Night Vision, c'est fait exprès, parce qu'on s'est dit que franchement pour la qualité de la vidéo ce serait mieux. On n'a pas encore publié le premier épisode donc on n'a pas eu vos retours sur le premier, si vous trouviez que c'était trop sombre. Mais donc là sur ce deuxième on est en bien lumineux et j'espère que ça ira mieux pour vous. Et ensuite il va falloir essayer de sécuriser un peu parce que c'est pas très sécurisé là notre base hein. Première base, zéro. Il va falloir aussi terminer d'explorer le bastion, mais je suis moyen chaud avec vu que j'ai une pioche enchantée, une épée enchantée. Oh, il y a un bloc d'or. Mec, Quoi? Je creuse en plein milieu du bastion, je tombe sur des blocs d'or. En plein milieu, là, comme ça, sans aucune explication. What? Je vais pas faire de commentaires, mais bah, moi, je suis content, hein. Génial. Oh non, il y a le Piglins hostile. Bon bah, adieu, mec. Adieu, Golgoth, fier soldat. Tu manqueras. Bruh. En fait, là, il y a mes deux pioches qui sont tombées là-bas. Toi qui as une pioche, tu peux. Ouais, ben non, il y a le Piglins hostile. En fait, il y a juste un Piglins hostile, c'est celui qui est en dessous là. Et là, il y a les deux pioches là, tu les vois? De toute façon, il a la grosse sur toi. Ce que tu fais, tu détournes l'attention et moi je vais. Ouais, je fais ça. Je l'emmène à côté là. Ah, il arrive. Ouais, bien joué. Ouais, bon, c'est l'Empire qui a 3 de durabilité. Génial, hein? Est-ce que ça méritait que je perde 3 coeurs et demi pour ça? Merci! Hein? 2000 years later. Et donc voilà, la base elle est finie. Et on a même un petit truc pour éviter que les piglins viennent de rentrer dans notre base comme si c'était chez eux. Malgré le fait que ce soit chez eux. Mais ça faut pas le dire. Voilà, donc là on a notre petit escalier. Tu feras gaffe, il y a un trou hein. Il y a un trou Golgoth au niveau de l'escalier. Donc maintenant je vais essayer d'aller trade un peu avec des piglins. Cadeau. Qu'est-ce que tu me donnes? Je t'interdis de jeter dans la lave. Oui. Tu m'as donné 3 fils. Tiens, là je t'en mets un là. Qu'est-ce que tu vas me donner maintenant? Merde. Fire résistance, en vrai c'est utile, une potion de fire. Mais... je te drop un d'or et toi tu l'ignores. Ah, j'ai un d'obsidienne. Oh, 2 enderperles. De la merde. Des flèches spectrales. Oh, j'ai des bottes soul speed. C'est bien ça pour certains cas. Et j'ai une fire charge. Ok. Non. Bon, allez, on part à l'exploration de la fin de la forteresse quand même. Parce qu'on n'a pas vraiment fait au final depuis tout à l'heure. Putain de merde. T'es pas tombé d'assez haut par là. Bonjour, au revoir. Très clairement, je pense que le pire truc que tu peux faire dans le Nether, c'est faire ta base dans le Nether, dans un bastion. Donc c'est pour ça évidemment que nous l'avons fait, parce que nous aimons les défis.
ou alors juste parce qu'on est absolument débile. Quelle est la bonne réponse à votre avis? Répondez en commentaire. Non, pas encore le Hoglins. J'ai eu ma dose, toi. T'as vu le nombre de fois que tu m'as frappé? C'est bon, je l'ai eu. Ça va vraiment être un best-of du... Ah, encore. Bah, rip pour toi. Ma pioche. Oh non. Je veux voir si ma pioche a survécu. Si j'ai perdu ma pioche, je suis dégoûté. Sale bête. Mec, je crois que j'ai perdu ma pioche et mon épée. Il y avait un trou dans le vide. Et je suis tombé dedans. Je suis mort de dégâts de chute et il y avait de la lave juste à côté. Pendant une seconde, je me suis dit, yeah, je suis pas tombé dans la lave. Mec, j'ai creusé au moins 10 blocs. Attends, et merde. En plus, je suis en train de... Quoi? Ah, putain, j'en ai marre. Aidez-moi, j'en peux plus. Vous voulez nous soutenir? Un like est égal un soutien. J'ai besoin de beaucoup de soutien parce que vu la malheur dont je fais pas. En vrai, ce qu'il me faudrait, c'est surtout des meilleurs serveurs. Oh merde. Et j'ai mon stuff. Allez, hop. Donc, ça c'est bon. Les bottes, c'est bon. Le coffre, c'est bon. Le casque. Non, j'ai perdu le seul truc qui avait de la valeur. Les deux seuls items qui avaient de la valeur, c'est les deux seuls que j'ai perdu. C'est-à-dire la pioche et la hache. Et la pioche et l'épée. On avait deux items enchantés, j'ai réussi à les perdre les deux. Allez, dites-moi au moins que ce coffre en vaut le coup. Dites-moi que ce coffre. Allez. À la une. À la deux. À la trois. Bruh. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai eu l'idée de cette série, donc je peux même pas discuter Dolbot pour avoir une idée de série débile. Oh mon dieu, mais pourquoi? J'adore t'entendre rager comme ça, c'est trop beau. Ah bah merci, ça fait plaisir. Et bon. Bon les amis, on en a juste eu marre là, donc on a récupéré tout ce qu'on avait dans la base. Ça veut bien se passer. Et on a tout ramené ici. Et ben voilà. Et donc on a trouvé un nouvel endroit pour faire une base qui sera plus tranquille et moins exposée surtout. Allez, oh, et voilà. Je n'ai plus de bloc. C'était mon dernier bloc. Donc c'est pourquoi je suis vraiment joueur? Parce que tu t'as sauté, t'as failli tomber dans le vide. Hein. Bon. Donc maintenant, on va pouvoir aménager.
sont maintenant, au moins on peut se faire des outils en pierre. Comme Jean-Pierre. Excellent jeu de mots, on applaudit tous cette blague. Non. Moi je vais pouvoir faire ceci. Ah oui, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Des pièces d'armure. Et voilà. Merde. Bon bah au moins on est sûr, elle marche. Purée. Je crois que mon stuff il est tombé dans le vide en plus. Non, mon stuff il est tombé dans le vide, fais chier. Et j'en ai marre, je pouvais pas. J'ai été heureux 5,5 secondes parce que j'avais enfin réussi à me faire le truc de respawn. Et faut qu'il y ait un gars qui vienne m'expliquer que non, je serai jamais heureux dans cette série. Rien à faire. Tiens, d'ailleurs, je peux récupérer un peu de quartz aussi au passage. Ouais, déjà. Oh non! Ouais, mais t'avais aussi ton armure! Ok. Oh, je suis désolé! Oh mon dieu! Oh non! Oh mon dieu! On est la pire team que le monde puisse porter! Il n'y a pas pire que nous! Je suis désolé, Golden de Tonan! J'en perds des âmes là! Hop. Allez, t'es prêt pour me voir me suicider? T'as des bottes? Mais mec, t'es un abruti, tu viens me perdre des bottes. Mais t'es le pire des abrutis. Mais même un abruti n'est pas aussi abruti que toi. Ah là 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 là. Alors oui, je voudrais mettre un petit message. Je recrute un coéquipier. Les conditions attendues, enfin les formations, faut juste avoir joué plus de 3 minutes à Minecraft, voilà. Je demande pas grand chose. Faut avoir pas mal de temps libre et être motivé, voilà, c'est payé 250 balles de l'heure. Ouais, c'est que je suis vraiment motivé pour pouvoir avoir un nouveau teammate. Eh mec, j'ai une armure qui clignote. Et donc les amis, on va pouvoir se laisser là-dessus pour ce deuxième épisode. Bon, deuxième épisode qui a été un peu catastrophique, mais au moins on a quand même une chouette petite maison, ça c'est très sympa. Donc voilà, ça c'est cool. Golgoth, ici présent, a repéré une forteresse. Donc dans le prochain épisode, on va pouvoir aller l'explorer. Une forteresse, on parle d'un bastion ou d'une forteresse, Golgoth? Une forteresse. Ouais, donc ça c'est cool, on va pouvoir se faire des potions. Ah non, parce qu'il va nous falloir du verre. Ah, ça va être compliqué. Bah, on verra bien. Mais donc voilà, ça on s'en sortira après. Bon, le seul petit défaut par contre, c'est que Golgoth a moins de morts que moi et ça c'est un peu décevant. Vas-y, viens, on prend un screen. On prend le screen là, mec. Attends, viens au bord. Viens. Attends, je mets en haut. Ah, voilà. Non, je vais te faire tomber dans le vide. Non, ah, c'est bon, je m'en fous, j'ai autant de morts que toi. Allez, à plus les amis, n'oubliez pas de liker.